Hello à tous! Aujourd'hui, on va parler beauté sur ma chaîne. Et oui, je vais vous parler d'une marque grecque de produits de soins que j'ai découvert depuis que je me suis installée en Grèce en 2016. Je ne le savais pas avant, mais en Grèce, ils ont de super produits de soins, produits de beauté et même produits de make-up. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça aujourd'hui. Je vais vous parler d'une seule marque en particulier et je ferai d'autres vidéos pour les autres marques si jamais ça vous plaît. Aujourd'hui se nomme Apivita. C'est donc une marque grecque qui a été créée en 1979 par des pharmaciens à Athènes. C'est une marque 100% grecque, bien sûr, et c'est vraiment une merveille. Donc j'ai trop hâte de vous en parler dans cette vidéo. Cette marque propose principalement des produits de soins, donc il n'y a pas encore de maquillage, je ne pense pas qu'ils y viendront. Vous avez des soins donc pour le corps, des soins pour le visage et pour les cheveux. Ce sont les trois principaux types de produits que vous pouvez retrouver sur le site. Je vais vous montrer d'ailleurs un petit peu le site. Donc lorsque vous arrivez sur le site, vous choisissez déjà votre pays. Donc vous pouvez voir les pays dans lesquels ils vendent avec le petit sac. Pour la France, pas de vente pour le moment, mais vous pouvez quand même naviguer sur le site, en apprendre un peu plus sur la marque et surtout voir un peu les produits. Ce que je voulais surtout vous montrer, ce sont les valeurs d'Apivita. J'aime beaucoup leur identité. C'est une marque qui est éco-responsable, engagée pour la biodiversité, engagée pour l'environnement et pour la protection des abeilles. Ici, vous pouvez donc en apprendre un peu plus sur leur histoire, leur mission et même sur leur logo qui ressemble à une petite abeille. Vous trouvez aussi leurs 4 piliers. Donc au niveau du pouvoir et des bienfaits du nectar d'abeille, ils vous parlent aussi de la biodiversité préservée en Grèce, ils sont très engagés pour ça. Mais aussi les bienfaits donc de soins de beauté naturelle et efficaces et surtout des produits durables et adaptés à l'environnement. Et enfin, ce que je voulais vous montrer sur leur site, c'est que vous pouvez voir les ingrédients. Donc ce sont principalement du miel, de la gelée royale, des fruits, des fleurs, principalement bien sûr originaires de Grèce. Ce qui m'a donc séduit dans cette marque, ce sont les valeurs, vous l'aurez compris, mais aussi bien sûr la composition, car ce sont des ingrédients naturels. Alors bien sûr, c'est pas 100% d'ingrédients naturels, car c'est quelque chose qui est quand même assez rare, mais sur leurs produits, c'est toujours noté le pourcentage d'ingrédients naturels inclus dans le produit, et la majorité du produit est quand même naturel, bien sûr. Donc je vais vous parler des trois produits que j'utilise le plus, qui sont donc mes trois produits préférés. Le premier produit que je vais vous montrer, donc qui est mon premier produit préféré de cette marque, c'est celui-ci. Donc c'est une gelée mousse nettoyante pour le visage, donc entièrement pour le visage, que j'utilise le matin et parfois le soir. Ce produit est donc à l'olive, lavande et propolis. Il est aussi testé dermatologiquement et ophtalmologiquement. Sur l'emballage, déjà j'adore le packaging, toujours. Vous avez un petit flacon pompe comme ça, où vous pouvez donc directement vous servir et prendre ce qu'il vous faut. Donc ça c'est super pratique aussi quand vous partez en voyage, vous pouvez le bloquer. À l'arrière bien sûr vous avez la liste des ingrédients, donc ce qui est intéressant comme je vous ai dit avant, c'est que vous avez le pourcentage des ingrédients d'origine naturelle, donc dans celui-ci c'est 93%. Extrait de fleurs, du miel, de l'olive, de la lavande, voilà vous avez pas mal de choses, donc vraiment en plus l'odeur elle est très très bien aussi, je vous le dis. Donc ça vous marque également sur l'étiquette que c'est issu de l'agriculture biologique, donc ça, ça rejoint leurs valeurs. Et surtout, il y a quelque chose de pas mal avec cette marque que j'ai remarqué, c'est que donc déjà dans pas mal de produits de soins, ils utilisent de l'eau. Apivita n'utilise pas d'eau, mais ils utilisent des infusions. Donc là, par exemple, ça vous le marque, c'est une infusion de rose et infusion de fleurs en général. Voici à quoi ressemble le gel. Et pour l'avoir essayé, il vous laisse une peau propre, douce et fraîche. Le deuxième produit dont je vais vous parler, de la marque Apivita, qui est donc mon deuxième produit favori de cette marque, c'est vraiment mon produit phare et c'est aussi un des best-sellers sur leur site, c'est cette petite crème. Crème Aqua Delicious. Cette crème, donc je vais l'ouvrir avec vous dès maintenant pour vous montrer à quoi elle ressemble. J'avais fait exprès de garder le carton pour vous montrer. Elle est vendue dans un petit carton comme ça, donc qui est recyclé. C'est une crème de jour hydratante à la texture riche qui est aussi testée dermatologiquement.
Ce que j'adore dans cette crème, c'est que c'est un petit tube très pratique à emmener encore une fois en voyage. Je sais que très souvent quand je voyage ou que je rentre en France, mes petits pots de crème dans ma trousse à maquillage ou dans mes affaires me prennent de la place et m'embêtent clairement parce qu'ils n'ont pas une forme pratique. Et ça vraiment, le fait d'avoir une crème en tube, c'est super bien, je trouve, c'est une bonne idée de leur part. Cette crème est donc une crème hyper hydratante pour la peau, donc crème de jour et aussi de soir. Elle laisse vraiment une pellicule légère, fraîche, fine sur la peau et elle vous hydrate la peau. Donc moi je la recommande beaucoup aussi donc pour une base de maquillage, donc juste avant de vous maquiller ou même en crème toute simple pour commencer votre journée. Elle est juste parfaite. Et surtout ce que j'adore dans cette crème, c'est qu'elle sert aussi de base de maquillage et c'est même écrit excellente base de maquillage. Et j'en ai fait les frais encore une fois, donc j'ai essayé et là je la porte aujourd'hui en dessous de mon fond de teint. Et j'ai remarqué que la peau est beaucoup moins grasse que quand je mettais une autre crème en dessous de mon fond de teint. C'est moins gras, ça fait plus un fini soyeux. La peau est plus douce, je trouve, et mon maquillage a mieux tenu. Donc des ingrédients de cette crème, donc vous n'aurez pas la liste des ingrédients sur le tube, c'est pour ça aussi que j'ai gardé la boîte. Donc c'est indiqué 98% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est encore plus que la mousse nettoyante, et principalement de miel comme toujours et d'infusion d'extrait de fleurs. Donc c'est pour ça qu'elle a d'ailleurs une super odeur, elle a une odeur de rose. Autre chose que je ne vous ai pas dit sur ces produits, ce sont les prix. Donc j'ai oublié de vous dire que c'est une marque qui est quand même un petit peu chère. Par exemple, cette crème, elle est à 20 €. La mousse nettoyante, elle était, il me semble, à 14 €. Et le produit dont je vais vous parler après, donc c'est un masque pour les cheveux, qui est à 16,90 €. Je trouve que ça vaut bien son prix. Voilà, vous en avez pour votre argent. Car ce sont des produits qui sont aussi très efficaces. Donc vous n'en serez que ravis. Troisième produit dont je vais vous parler, qui est donc mon troisième produit préféré de la marque Apivita, c'est ce masque pour les cheveux. C'est un masque protecteur et hydratant pour les cheveux colorés au miel et au tournesol. Écrit pour le pourcentage 97% d'ingrédients d'origine naturelle, donc on est encore dans un super taux d'ingrédients d'origine naturelle. Pour ce produit, ça vous est écrit complètement, donc sans parabènes, sans silicone, sans phénoxythanol, sans PEG, donc là ce produit il est vraiment top. Encore une fois, il est testé dermatologiquement et il rend vraiment des cheveux super brillants, protégé pour votre couleur et super agréable. L'odeur est aussi très bonne, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Pour vous procurer donc ces produits, j'ai regardé sur internet et apparemment il y a certaines pharmacies en ligne en France qui vous les proposent. Et vous avez surtout une boutique dans l'aéroport d'Athènes, donc si jamais vous venez en Grèce, même si vous venez sur les îles et que vous faites une escale à Athènes, n'hésitez pas à passer à la boutique, elle est vraiment très sympa. Ce qui est surtout super ici en Grèce quand vous achetez des produits Apivita dans les pharmacies, c'est qu'ils vous donnent des petits échantillons, donc j'en ai quelques-uns à vous montrer. Vous avez vraiment des petites fioles et c'est trop chou, je trouve ça adorable. Donc là par exemple on m'a donné ce shampoing donc qui est hydratation. C'est donc la fin de cette vidéo sur ma marque grecque préférée Apivita pour les produits de soins. Ce fut vraiment un honneur de vous présenter cette marque aujourd'hui car je sais que très peu de Français la connaissent, elle est malheureusement sous-estimée mais elle mérite tellement d'être connue comme vous avez pu le voir. Vraiment j'ai adoré vous en parler, j'espère que vous pourrez vous procurer les produits pour celles que ça intéresse. J'ai essayé de vous mettre en barre d'infos les liens des sites en France où vous pouvez vous les procurer. Et surtout la prochaine fois que vous venez en Grèce ou si vous venez en Grèce, n'hésitez pas à essayer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous souhaite donc un bon week-end. Merci d'avoir regardé la vidéo une fois de plus. Merci de me suivre chaque jour. Et à bientôt. Salut !